phase de travaux du projet Tchilegelou dans la ville de Mbujimayi, dans la province du Kasaï oriental. C'est la société Safrimex qui a pris les choses en main. Toutes les procédures ont été respectées par rapport à cet octroi des marchés. Les directeurs généraux de l'Office des voiries et drainages, l'ingénieur Victor Toumba Tshikela, qui venait de séjourner dans cette partie de la République démocratique du Congo, a pu inspecter les différents chantiers ensemble avec Madame Julie Kalenga, gouverneure intérimaire de la province du Kasaï oriental. En dehors de la reprise du projet Tchilegelou, il y a le projet GMC avec 14 km, toujours dans la ville de Mbujimayi. Enfin, les travaux de lutte anti-érosive qui sont financés par les PER, le programme d'entretien routier. Mesdames et messieurs, au cours de ce numéro, nous allons vous faire un focus sur les grandes réalisations qui sont en train d'être enregistrées, réalisées aujourd'hui dans la ville de Mbujimayi. Mais je tiens à vous signaler, mesdames et messieurs, que dans les prochains jours, le reste de province prévu par rapport au programme Tchilegelou seront aussi sur la liste par rapport à la reprise de ces travaux. Bienvenue à ce nouveau numéro de votre magazine RDC Infrastructure et Développement. Je vous le disais, mesdames et messieurs, à l'entame de mon speech, que l'ingénieur Victor Toumba Tshikela, Julie Kalenga, respectivement gouverneur de la province du Kasaï oriental et directeur général de l'Office des voiries et drainages, ont ensemble inspecté les travaux qui se font déjà par la société Safrimex qui a repris les travaux du projet Tchilegelou. En dehors du projet Tchilegelou, mesdames et messieurs, ce que vous devrez savoir, il y a un projet de 35 km avec la société Safrimex qui a déjà déployé les engins et les travaux ont suffisamment avancé où nous comptons déjà plusieurs kilomètres réalisés, asphaltés dans le cadre du projet des 35 km. Voilà, grâce au sérieux de la société Safrimex, mesdames et messieurs, cette société a pris en charge également le projet Tchilegelou que vous allez suivre, c'est-à-dire un reportage, un mixage de tout ce qui s'est fait et même le travaux de lutte anti-érosive. Mesdames et messieurs, regardez ce reportage. Les directeurs généraux de l'Office des voiries et drainages, l'ingénieur Victor Toumba Tshikela, Madame Julie Kalenga, gouverneur AI de la province du Kasaï oriental et les directeurs généraux de la société Safrimex, Monsieur Hicham, ensemble, ils ont inspecter et regarder les travaux. Mesdames et messieurs, je vous convie à regarder ce reportage et on se retrouve juste après. Nous venons d'arriver dans la ville de Mbujimayi, dans la ville de Kasaï oriental. Il était tout à fait normal que nous puissions venir présenter les civilités à Madame Son Excellence la gouverneure. Et nous avions échangé avec elle autour du but de notre mission. Notre mission, c'est pour inspecter les différents projets qui sont en train de se réaliser dans cette ville de Mbujimayi, comme vous le savez. Nous avons le projet 5 km qui est exécuté par l'entreprise Safrimex. Nous avons le projet de 14 km qui est exécuté par l'entreprise GMC. Nous avons aussi le projet Tchilegelou. Peut-être beaucoup de gens ont cru que nous avions oublié le projet Tchilegelou, pour lequel nous avions résilié
le contrat avec Trexet, mais aujourd'hui, je peux vous le dire officiellement, c'est l'entreprise Safrimex qui reprend les travaux du projet Chile-Gélu. Je crois que ceux qui passent du côté de l'aéroport, ils l'ont vu déjà à pied d'œuvre. C'est pour vous dire que les travaux de Chile-Gélu reprennent dans la ville de Mbujimayi. Mais nous avons aussi les travaux de désérosion qui sont Moulamboi et Bonseigneur Kongolo. Bonseigneur Kongolo, c'est Safrimex qui travaille ici, qui a déjà commencé le travail. Et nous avons souligné, à ce qui concerne Safrimex, c'est un partenaire sûr parce que nous sommes dans un partenariat public-privé. C'est eux qui commencent par le préfinancement et le gouvernement vient rembourser par après. Donc nous pouvons féliciter notre partenaire Safrimex avec qui on est en train de travailler. Mais nous allons aussi voir les différents travaux qui sont financés par le FONER et qui sont exécutés par la régie. Donc voilà à peu près le but de notre visite à Mbujimayi. Et nous avons échangé avec ça, avec Madame la gouverneure. Nous croyons peut-être demain, quand nous allons faire le tour ensemble avec sur les grâces Madame la gouverneure, pour palper la réalité sur le terrain. Il est évident, on a échangé aussi avec lui, et nous a parlé de deux points qui posent des problèmes. C'est notamment sur l'avenue La Bouya, avec la pluie d'hier, il y a eu des choses qui ont bougé. C'est notre partenaire, ça fait son travail. Nous allons voir ça. Mais il y a, ça ne concerne pas l'OVD, mais il a voulu que nous puissions voir et comment on peut intervenir, parce qu'il y a la route qui est en train de se casser en allant vers Tchibombola, là où était sa crête. Nous allons voir, parce que c'est une traversée de la ville, qu'est-ce qu'on peut faire pour ne pas connaître la pire de la route. C'est tous ces éléments que nous avons échangés avec ce transparent.
Oui, je voudrais d'abord, de prime abord, remercier l'autorité provinciale, son Excellence Madame la Gouverneure, qui a voulu faire le tour avec nous. Nous sommes arrivés samedi, elle a voulu que nous fassions le tour que nous devons faire ensemble. Nous voulons d'abord la remercier pour cette disponibilité. C'est un dimanche, elle a pris tout son dimanche pour nous accompagner. C'est pour vous dire que le développement des infrastructures, c'est quelque chose d'important. Vous le savez très bien, le chef de l'État qui est soucié du développement des infrastructures, un grand agent de développement des infrastructures, a voulu pas seulement dans la province du Kassai-Oriental, mais à travers toute la République, voir les infrastructures être développées. Aujourd'hui, la ville de Mbujimayi, qui a au moins 3 projets qui sont en train de se réaliser. Je citerai le projet 35 km, le projet 14 km avec GMC, 35 km avec Safrimex, mais vous avez un autre projet peut-être que les gens ont oublié, c'est le projet Tchilégé. Je profite de cette occasion pour annoncer à la population du Kassai-Oriental, plus particulièrement de Mbujimayi, que le projet Tchilégé dans la ville de Mbujimayi, dans la province du Kassai-Oriental, a repris. Et c'est comme ça, ce matin, nous avons commencé notre visite sur l'entrée de l'aéroport. C'est sur l'avenue Lusambo, et vous avez vu que Safrimex est en train de travailler. C'est la reprise du projet Tchilégé, parce que c'est avec l'entreprise Safrimex que nous allons faire la reprise du projet Tchilégé. Et vous avez vu déjà que l'entreprise est en train de... est à l'œuvre. Et nous avons profité de cette occasion pour faire tous les tours à ce qui concerne le projet des 35 km. Nous avons commencé par l'avenue Salongo, la partie Salongo, et puis nous sommes entrés sur Dipumba, où avec son Excellence nous avons posé un problème, c'est la délocalisation du marché qui est là pour permettre à ce que l'entreprise puisse faire les travaux. Et l'autorité provinciale a répondu favorablement à notre préoccupation. Et de là, nous avons continué. Nous avons vu l'avenue de l'Assemblée provinciale. Nous avons vu au niveau des cathédrales les travaux que Safrimex a fait. Nous sommes passés sur Bodine 4 et nous sommes allés sur l'avenue Kassaboubou en passant sur l'avenue Tatoukaninda. Vous avez vu que sur l'avenue Kassaboubou, il nous reste seulement 1200 mètres pour terminer complètement tous les travaux. Donc sur les 6 km, nous avons au moins 5 km qui sont déjà menés. Et on attend là, pour le moment, peut-être tous les travaux qui sont déjà terminés. Vous avez aussi l'avenue de la mort, que nous appelons maintenant l'avenue de la vie, parce qu'aujourd'hui il y a la vie là-bas. Il ne reste que là où la Safrimex a déjà terminé à ce qui concerne le bitumage, il reste l'éclairage et la signalisation qui vont se faire d'un moment à l'autre. Mais en même temps, nous nous sommes arrêtés sur l'avenue de l'école qui fait partie de Tchilégé, où Safrimex a déjà commencé les assainissements. Et comme je l'ai dit, je le souligne, que le projet Tchilégé a repris. Et pour de la presse, il faut dire à la population que ce projet a repris. Et c'est effectif sur le terrain. Et avec l'autorité provinciale, quand nous nous sommes retrouvés sur Tatoukaninda, nous avons fait des incursions, c'est-à-dire sur le pont Moulongoy, c'est ça. Et nous sommes allés voir aussi les réseaux qui cuisent. Je crois que son Excellence a voulu que nous puissions voir et voir dans quelle mesure nous pouvons prendre ça en charge, bien que on a des projets qui sont en train de se monter dans lesquels se trouvent ces avenues. Mais il y a une situation urgente à ce qui concerne les réseaux qui cuisent et au niveau de pont Moulongoy qui doivent être prises en charge très rapidement. Nous avons donné des instructions à notre direction provinciale de voir dans quelle mesure on peut prendre ça en charge et nous allons en discuter. Mais son Excellence a voulu, quand nous avons fait la RNE, voir la situation qui est là. Certes, c'est vrai, ce n'est pas un réseau de l'office de voirie et drainage, c'est le réseau de l'office de route, mais qui est sous contrat pour le moment avec Samcret. Mais compte tenu de la situation que nous avons vue sur le terrain, et de la préoccupation de son Excellence Madame la Gouverneure, nous avons voulu apporter une
une solution à ces problèmes. Il y aura une réunion de concertation entre la direction provinciale et l'OVD, ainsi c'est celle de l'office de route, pour voir dans quelle mesure on ne peut pas laisser cette situation pourrir, de peur que ça puisse couper la nationale numéro 1. Donc, pour dire en fin de compte, à travers notre tournée, maintenant on termine à ce niveau, tout près de la résidence de Madame la gouverneure, et cette route est prise en charge par JMC. Vous avez vu, nous avons fait à peu près 4 km où ils ont déjà fait la couche de base, ils ont déjà fait les bordures, il ne reste qu'à poser, à faire l'imprégnation et à poser la couche d'enrobée. Et nous allons voir avec l'entreprise dans quelle mesure, certes ils ont amené des résines d'enrobée qui va être installée, mais nous allons voir avec eux dans quelle mesure on peut trouver une solution palliative pour ne pas perdre ce qui est déjà fait parce qu'on est en saison 2. Donc pour nous c'est une grande satisfaction de voir que les différents projets qui sont réalisés dans cette ville de Mbujimayi est en train de prendre forme. Aujourd'hui, nous avons en projection plus ou moins 80 km de voiries qui vont être faites dans cette ville. Certes, il est vrai, quand je compare à ce que nous avons comme 265 km dans cette ville, faire 80 km, ce n'est qu'un parcours. Notre souci, c'est de pouvoir absorber les 265 km, que ça soit réalisé. Mais avec Fadji, il faut croire à ça. Et cela sera fait. Merci. Vous l'avez compris, cette émission est terminée. Merci infiniment de l'attention particulière que vous nous accordez. On se retrouve au prochain numéro pour vous présenter un autre projet parmi les projets initiés par le président de la République dans le cadre
du développement. Le chef de l'État, mesdames et messieurs, a un grand souci. Son plus grand souci est celui de transformer la République démocratique du Congo avec des infrastructures de qualité et des bases pour doter à la population. On se retrouve au prochain numéro. Prenez bien soin de vous et de vos proches. Vous n'êtes pas encore abonné sur notre chaîne YouTube. Abonnez-vous massivement pour ne rien rater par rapport à tout ce projet. Comme je venais de vous le dire tantôt, restez scotchés au programme de la Radio-Télévision Nationale Congolaise, la RTNC. Au revoir et à bientôt.